Salut Michel, ça va? Ah bonjour Joséphine, qu'est-ce que tu deviens là, ça va? Ça va bien, ta ferme ça va? Ah ouais, ça va très bien, ouais. Ouais? Ouais. Moi je trouve ça super quand même qu'il n'y ait plus trop tard parce qu'on peut produire autant qu'on veut, c'est super. Ah bah non, tu trouves ça super toi que bah ouais. Tu plus de quotas. Mais si on produit tout ce qu'on veut, il y aura trop de volume, après ils nous payeront les cacahuètes quoi. Et puis en plus, si nous on produit tout, on pourra pas avoir de voisins qui produisent quoi. Il faut quand même... Il faut apprendre à partager Oui, il faut répartir, moi à mon avis les volumes, tu crois pas? D'accord. Bon, très bien. Deuxième... Deuxième thème, la qualité des produits. Vert clair. Vert foncé. Vert foncé. Vert foncé. Ah. Vert foncé. Ah ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Vert foncé. Développer la qualité et le goût des productions agricoles. Produire de façon transparente pour le consommateur. Respecter les cycles naturels et le bien-être animal. Apprécier sa propre production pour mieux la vendre. Choisir un label qui nous correspond. Tiens, tu vois, je t'ai préparé ça, là, comme t'es venu manger, là, c'est sympa. Et tu vois, c'est que des produits de mon jardin et de ma ferme. Hein. Quand même, alors le fromage, c'est Anaïs qui l'a produit. Et puis les carottes, là, pour la salade de carottes, c'est Jules. Hein. Ça a quand même un autre goût, hein, tu trouves pas? Mais ça doit coûter cher un peu quand même. Ah ouais, ça coûte cher peut-être, mais enfin non, mais quand même, la qualité des produits, savoir qu'est-ce qu'on mange, c'est quand même mieux, hein. Tu crois pas? Je sais pas, et du coup pour toi, les OGM Ah bah, oignon génial à manger. Ah ouais. Et du coup, HACCP Harangues, courgettes cuisinées à la poêle. Ah oui, c'est plus sympa tout de ouais, suite. Hein. AOC Avec origan et cannabis. Ah oui! Ah, tu vois, c'est quand même, faut pas en faire tout un plat. Hein. Bah oui, t'as raison, c'est facile la qualité des produits. Le développement local, bleu foncé. Le paysan est un acteur local dynamique. Entrer dans un réseau local de partage agricole, ouvrir sa ferme régulièrement au public, s'investir dans la vie citoyenne. Ah ouais, tu sais pas Joséphine, je vais te raconter un truc là. Mmh. Je viens juste d'être élue, incroyable, ils ont élu une femme présidente de la CUMA. Bon. Ah non mais... Ah ouais. Mais... si, ça existe. Mais ça suffit maintenant, tu es déjà conseiller municipal, comme si ça suffisait pas. Et en plus, tu passes déjà tout ton temps dans des réunions avec ton syndicat. Tu vas travailler quand et être à la maison avec tes enfants? Ah bah écoute, si on fait rien pour le local, bah nous, non, nous c'est très important. Hein. Il faut travailler avec les autres, il faut échanger, on va pas rester juste à travailler sur notre ferme, quoi, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas parce qu'on est paysan qu'on doit pas s'intéresser au développement local. Très bien, bravo. Le travail avec la nature. Quatrième thème. La nature est le principal capital des paysans. Il est essentiel de travailler avec elle et non contre elle. Maintenir la fertilité des sols sur le long terme. Privilégier la biodiversité domestique et la mixité des productions. Préserver les ressources naturelles et les partager de manière équitable. En vert clair. Prenez votre temps. Vous travaillez avec la nature. Prenez votre temps. Alors, ah ouais, tu sais, je pense que il va falloir qu'on mette moins de maïs, quoi. Qu'on arrive à supprimer le maïs sur notre ferme. Mais ça, c'est. Comment on va faire pour produire du lait maintenant? Écoute, on produira pour moins peut-être, mais.
Mais c'est vraiment important qu'on mette moins de maïs. Mais ça suffira pas, il y aura plus de lait dans le tank. Ben si, il y aura du lait. Hein. Je crois que les vaches vont manger de l'herbe et du foin. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'elles savent manger. Hein. Et le maïs, tu comprends, c'est gourmand en eau, c'est gourmand en pesticides. En plus, que, quand on fait du lait qu'avec du maïs, la composition du lait est transformée. Ça donne des laits qui peuvent nous rendre malades. Non, il faut arrêter le maïs. Il faut qu'on apprenne à plus travailler avec la nature. Voilà, t'as tout compris. L'autonomie. Orange. Rester maître des décisions à prendre sur sa ferme. Limiter les achats en semences et en aliments pour animaux. Préférer les produire soi-même et valoriser les ressources locales. Limiter sa dépendance aux énergies fossiles dont les prix ne font que monter. Maîtriser son endettement et sa dépendance aux aides. La facture d'engrais du mois de mars, ça fait 1500 euros. Les semences, 950. Le soja pour les vaches, 2000 euros. Et le gasoil, 1500. Non mais tu te rends compte, on s'en sort plus là. Bah, il faudrait peut-être qu'on fasse autrement, non? Mais comment ça, autrement? Bah oui, on pourrait peut-être acheter moins, travailler autrement, devenir autonome. Par exemple, on pourrait ne plus acheter d'engrais et uniquement utiliser le fumier de nos vaches. Et du coup, on pourrait peut-être aussi devenir autonome énergétiquement. Ah ouais, moins de gasoil. Bah ouais, on va, faut essayer. Et faut devenir autonome. T'as raison. La transmission en rouge. Se donner les moyens de transmettre sa ferme aux nouvelles générations. Limiter les agrandissements et les investissements qui seraient trop lourds pour que la ferme soit reprise. Sécuriser son foncier. Intégrer son temps de travail dans le calcul de son coût de production pour assurer la viabilité de la ferme et ne pas décourager des volontés d'installation. Rendre la ferme agréable à vivre et s'inscrire dans un réseau de solidarité. Salut Michel. Ah salut Joséphine. Ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Ça va ta ferme? Ça va bien, ouais. Et toi? Toi, tu t'approches de la retraite? Oui, je m'approche de la retraite. Et ah bah oui, puis tu vois, j'ai déposé une annonce à la DA, là. Ils vont sans doute me trouver un repreneur. Je suis contente, hein. Parce que là, ma ferme, c'est bien. Mais si tu veux, moi je les reprends tes terres. C'est juste à côté de chez moi. Regarde, les parcelles, elles se touchent. Ah non, non, non. Déjà, t'as fait pareil avec l'Albert, là, l'autre jour. T'as pris ses terres. Ah non, ça va. Ah non, non, non. C'est pas ça du tout, hein, parce que moi, je veux que ma ferme, eh ben, elle disparaisse pas. Parce que si tu reprends mes terres, tu prendras pas mes bâtiments d'abord. Et puis moi, je veux qu'il y ait des enfants. Regarde, le logement est même prévu. S'il y a une famille qui arrive, il y a le logement pour eux. Et moi, je veux qu'il y ait des enfants, qu'on entende encore le bruit des cloches des vaches et tout ça. Non, non. Si on ne transmet pas notre ferme, c'est le désert. Alors non, je te céderai pas mes terres. C'est vrai qu'on est de moins en moins nombreux dans les campagnes. La transmission, c'est important quand même. Bravo. Bravo, Michel et Joséphine. Et merci. Avec la protection de la Confédération paysanne.
Sans le micro, ça passe. Parce que tout à l'heure, on a posé. Ok, et eh ben, je vous laisse comme ça. Donc, allez-y. Parlez fort. Moi, ma question, c'est comment vous faites évoluer vos critères? Justement, c'était une dernière chose que vous avez dite sur le critère 5. Voilà, et à quel moment, en fait, vous en rajoutez vous... Ouais, voilà, comment ça se... Ok. Ça évolue. On prend plusieurs questions et... On va peut-être répondre comme ça. Oui, réponds tout de suite. On fait évoluer sans cesse. C'est-à-dire, en ce moment, par exemple, on est en train de rajouter des critères qui n'existaient pas au départ, comme par exemple les gaz à effet de serre, le truc climatique. Donc, on fait sans cesse évoluer les critères quand on se rend compte que ça ne va plus. Quoi. Donc, ça, voilà, je ne peux pas te dire aujourd'hui pour chaque critère, mais il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Et c'est tout un travail qui n'arrête pas. Voilà. Oui, oui, justement, justement là, on l'a confronté au terrain, c'est-à-dire qu'on a fait une comparaison de notre méthode de diagnostic avec la méthode portée par l'INRA, qui s'appelle IDEA. Et donc, on l'a expérimenté au Pays Basque et dans le Maine-et-Loire, dans les Pays de Loire. Et donc, on a confronté nos deux diagnostics, quoi, l'INRA et Agriculture Paysanne. Et ben, ça nous permet d'améliorer aussi des critères, et en particulier certains critères comme le bien-être animal, que nous, on n'avait pas forcément développé. Il y a aussi le changement climatique que l'on doit aussi aborder dans notre diagnostic, puisque l'IDEA a plus pris en compte le changement climatique dans leur méthode de diagnostic. Donc ça, c'est pour nous des voies d'amélioration. Et il y a aussi le rapport le gaspillage alimentaire que l'on doit prendre en compte, puisqu'on estime que le gaspillage alimentaire représente 30 à 35% des quantités alimentaires produites. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc ça, c'est les critères qu'on doit intégrer à notre diagnostic. Donc il y a là c'est les échanges qu'on a avec la recherche, et il y a aussi effectivement l'évolution qui est liée à l'utilisation qu'on en fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on fait des diagnostics agriculture paysanne dans la campagne, et on est en train de faire des évolutions pour faire ce qu'on appelle des adaptations. Selon, par exemple, là, on veut aller vers un diagnostic des paysans de la mer. Donc là, il y a des critères, des indicateurs qui ne sont pas forcément pertinents pour ça. En tout cas, qui sont difficiles à appréhender pour différentes productions. Et on le développe aussi sur l'arboriculture, par exemple. Donc c'est des adaptations selon les productions. Et donc c'est à mesure aussi des expériences de terrain et de besoins de terrain qu'on fait les adaptations, donc c'est pas figé. Ouais, c'est un travail d'aller-retour avec les équipes de la recherche qui travaillent sur l'agriculture durable en fait depuis les années 90, et donc particulièrement le département SAD, et puis le travail de terrain et l'accompagnement et le test de ces choses-là. Et la première adaptation qui avait été faite, c'était maraîchage, et aujourd'hui on a viticulture et arboriculture qui sont prêtes aussi. Et on travaille sur paysans de la mer, et il y a des chances qu'on lance aviculture et apiculture dans les temps qui viennent. Oui, éventuellement. C'est poursuivre un peu cette question-là, parce que, Bon, déjà, tu nous as expliqué à peu près ce que c'était que le diagnostic. Après, on a une vision globale. On ne voit pas trop, quand même, bon, c'est général, quoi. Ce serait bien peut-être de montrer au niveau des pétales, par exemple, c'est-à-dire, soit, par exemple, tes marges de progrès, c'est-à-dire que ce diagnostic, il est bien, d'accord, mais maintenant, comment il va t'inciter à progresser, d'accord, c'est-à-dire pouvoir voir, comparer. Donc, je suppose que... Alors, déjà, je trouve que ça manque, si tu veux, peut-être que si on avait eu la pétale, tu vois, avec te dire, ben, je me situe, là, je suis bien, mais là, je suis moins bien, etc., tu vois, pour voir comment, de façon concrète, parce que disons que ce que je pense quand même, moi j'ai découvert l'agriculture paysanne grâce à l'ADA, etc. Mais du coup, pour le grand public, on a du mal à comprendre ce que c'est que l'agriculture paysanne. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de vulgarisation à faire là-dessus
pour être connu et puis pour comprendre ce que c'est qu'un diagnostic. Et ce que je voulais te demander, c'est par exemple, bon, toi là, tu nous as montré où tu en étais, et maintenant vous avez des rencontres fréquentes. Comment tu vas faire pour t'améliorer? C'est-à-dire, tu as vu, mais c'est parce que tu vas te comparer aux autres et tu vas voir les autres, je ne sais pas moi, tous les ans, tous les deux ans. Tout. Comment tu vas faire pour t'améliorer? Parce que si c'est pour faire un diagnostic, ça ne sert à rien. Donc, je prends mon exemple et puis Michel.
Donc, il existe, on est parti aussi d'un manuel, qui est le manuel donc, de l'agriculture paysanne. Donc, à l'intérieur, eh bien, ça explique qu'est-ce que l'agriculture paysanne, comment faire un diagnostic de ferme, et puis ce qu'on appelle la boîte à outils, c'est-à-dire les repères de comptabilité agricole, et comment conduire un diagnostic sur le plan, et toutes les annexes qui vont avec. Il y avait des questions? Oui, ça c'est une propre production. En fait, là, on a une image à un instant T. En fait, la question, pour en revenir un peu à l'interrogation qui était là, c'est comment schématiquement vous voyez entre plusieurs diagnostics, où vous projetez finalement à se dire, voilà, je suis sur ce pétale-là, 0 au centre et 10 au niveau de l'idéal. Alors, pas l'idéal avec un grand I, mais l'idéal vers lequel je tends. Et puis, en fait, ce qui serait intéressant à mon sens, c'est de voir, voilà, je suis à 0 sur 10 dans l'échelle que moi je me définis sur le pétale jaune, je suis plutôt à 3 sur le orange, etc. pour voir justement quelles sont les marges de manœuvre. Et là, ça, j'ai un peu du mal à le voir comment vous le faites sur une zone de temps donnée, entre un diagnostic, et surtout en corrélation avec la question de pensée globale. Parce que là, on parle des. On voit, ben, je suis à temps à un instant T, mais comment sur une période de temps, et avec l'idéal vers lequel je tends, je fais bouger l'ensemble des pétales, quoi.
Oui, c'est juste parce que, en fait, vous n'avez pas répondu au début de ma question qui était comment faire. En fait, l'agriculture paysanne, finalement, c'est connu en interne, c'est connu par les gens de la conf, c'est connu par les gens de l'ADER, et encore, pas forcément. Moi, je connais des gens de la conf qui ne savent pas ce que c'est que l'agriculture paysanne. Hein, et partout. Par contre, dans les réunions, on part du principe que tout le monde connaît. Et donc, ça veut dire que même dans la société civile, là, tu parlais d'AMAP, etc., en fait, les gens, ils ignorent. Et donc, comment faire pour améliorer ça? Comment faire un peu pour faire progresser cette idée-là? Enfin, là, tu parlais d'AMAP. Moi j'ai dirigé une AMAP, etc. Je n'ai jamais parlé d'agriculture paysanne. Mais là, j'ai pris qu'un exemple. Comment? D'accord. Oui, non, mais ma question, c'est, on en est là, et comment améliorer le truc? Comment aller plus loin? Voilà, c'est tout. En participant. C'est notre boulot. Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y avait d'autres demandes de questions? Oui, c'était juste une question pour savoir à peu près, avoir une idée de combien à peu près de personnes peuvent représenter aujourd'hui la conf en adhésion, combien de paysans, paysannes adhèrent, comment avoir un peu une idée du panorama. La conf ou en agriculture paysanne? Enfin, en tout cas, la conf et puis peut-être en agriculture paysanne. Non, mais... Il y avait une autre question avant ? Non, c'était juste rebondir sur ce que tu disais là. Comment ça se fait qu'on pose encore la question de savoir l'agriculture paysanne, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Michel, elle nous a bien... Enfin, nous a au moins synthétisé l'historique. Il y a quand même 40-50 ans où on parle d'agriculture paysanne, il y a 30 ans où la presse actualisée, on en est encore là. Mais ça a évolué puisqu'on arrive maintenant à des thèmes et même au diagnostic. Donc en même temps qu'il n'y a pas cette communication, j'ai l'impression qu'il y a aussi une démarche d'évolution et par rapport aux critères, ainsi de suite. Cela étant, il faut regarder aussi l'inverse. Il y a des agriculteurs qui sont dans la démarche paysanne sans le savoir. Et l'important, est-ce qu'il faut le savoir et la définir
ou est-ce que, eh ben, que les gens, ça m'accapare, même si on ne le sait pas, quoi. Par contre, je fais juste... Pardon, tu voulais... Non, non, c'est... Non, je trouve que... à écouter, tout à l'heure, on parlait, enfin, dans un autre débat, on parlait de l'agriculture, de l'historique de l'agriculture et de l'alimentation en France, et on a parlé du frein du passage du productiviste à aujourd'hui, à un moment où peut-être que c'était utile, et aux paysans, aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à basculer, et il n'arrive pas à se dire, voilà. Je trouve que ça peut être une démarche qui n'est pas faite simplement pour les agriculteurs en démarche paysanne, enfin tout de suite, là, enfin, ou ceux qui pourraient être prônés l'agriculture paysanne, mais ceux-là, comme tu dis Hervé, tu étais productiviste, et ça aiderait, c'est un effet psychologique à lever de frein au passage d'une autre agriculture, de l'agriculture industrielle à l'agriculture, paysanne. Après, juste le dernier point, Michel, tu as parlé de l'agriculture de l'AMAP, il y a aussi des AMAP en sens inverse, où on est dans la démarche agriculture paysanne, mais on n'est pas bio. Et donc, moi je suis producteur et je ne peux pas être dans une AMAP parce que je ne suis pas encore bio, mais peut-être que je suis quand même dans la démarche. Et ce qui est intéressant pour le dernier point... C'est pas bio, hein ? Oui, enfin, l'agriculture que j'ai, enfin, l'AMAP, c'est pas grave. C'est dyslexique, les AMAP, là. Ouais. Bah, c'était... Ils le prennent pour un B, c'est Justement, pour rebondir sur la dernière remarque, peut-être, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le lien entre agriculture paysanne et agriculture biologique ? Puisque finalement, ben, on voit bien, au sein des AMAP, les AMAPiens sont dyslexiques, donc... Ouais... bon. Et également sur des producteurs qui sont en difficulté à l'heure actuelle, qui sont sur le point de vendre... ça ramène la transmissibilité. Peut-être leur proposer sur ces diagnostics-là, parce qu'il y en a plein autour de nous qui vont sans doute vendre à des gros à côté d'eux, au lieu d'aller trouver un nouvel jeune agriculteur pour s'installer à sa place. Et peut-être qu'en faisant un diagnostic-là, il pourrait même continuer à faire son travail, parce qu'il est encore en âge de le faire, et de pouvoir s'associer avec un jeune qui a envie de s'installer, enfin, de trouver, d'aller voir ceux qui sont en difficulté, de leur proposer ce diagnostic-là pour envisager une transition. Et une transmissibilité un peu plus en douceur. Oui, je vais répondre bio et agriculture paysanne. C'est l'histoire du périmètre label. On est dans un périmètre, on y est ou on n'y est pas. L'agriculture paysanne, c'est une démarche, c'est aussi un périmètre, mais c'est avant tout une démarche peut-être. C'est ça la grosse différence. Il n'y a pas que ça, il y a des critères qui sont pris en compte dans l'agriculture paysanne. Ils ne sont pas que techniques. Voilà. Et en fait, le fait de travailler avec la nature, voilà, ça intègre le côté biologique, mais sans qu'il y ait le label forcément. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est les diagnostics de transmission, ça existe. Ce sont des diagnostics qui sont faits pour les fermes à transmettre. On fait un diagnostic sur leur ferme. Dans ce diagnostic, on augmente le critère transmission, justement. Et donc, ça existe et on va chez les paysans pour que s'ils veulent transmettre, on les aide à... Justement, on travaille dans le cadre d'Impact, on a la chance de pouvoir côtoyer donc l'association Solidarité Paysan qui travaille auprès des agriculteurs en difficulté. Et donc, on propose la démarche d'agriculteur paysan, c'est-à-dire redonner d'abord en premier de l'autonomie à l'agriculteur en difficulté. Et on pense que pour sortir de la difficulté, eh bien, reprendre la démarche d'autonomie déjà, l'autonomie décisionnelle au sein d'une exploitation en difficulté, c'est déjà un grand pas. Et on a vu que des exploitations, en utilisant la démarche agriculture paysanne, arrivaient, quand il n'est pas trop tard, arrivaient à sortir de la difficulté. Quoi.
En gros, on en décèle qui sont potentiellement en difficulté, qui ne sont pas encore allés voir cet hôpital depuis 10 ans et qui sont dans un cas de figure, s'il est là pour en contact avec vous pour faire ce diagnostic et pouvoir réfléchir aussi. Après, moi, je ne vais pas parler à la place de Solidarité Paysan, mais le principe de Solidarité Paysan, c'est que c'est le paysan en difficulté qui va vers. Alors après, là, on peut ouvrir, tendre les bras et être à disposition, mais c'est pas... je ne vais pas parler à votre place, mais c'est pas eux qui vont aller dire... Oui, bah, par exemple. Ceux qui sont en difficulté, qui ne font pas la démarche pour X raison. Et là, on a une association qui peut les aider, on a un diagnostic qui peut les aider à faire perdurer l'agriculture paysanne sur un territoire. C'est aussi notre devoir de citoyen, je crois qu'elle va bien dyslexique, c'est ça? Oui, elle va bien dyslexique. Elle va accepter. Du coup, c'est bien. Une dernière précision sur la différence entre la bio et la paix. La bio, c'est un projet où on passe par un label pour tirer par une part de marché une base du secteur de l'agriculture, alors que l'agriculture paysanne se veut transformer l'ensemble de la réglementation agricole et donc de proposer une démarche pour aller vers individuellement, mais de transformer l'ensemble des normes. Et après, la deuxième chose, quand on regarde clairement nos indicateurs par rapport au cahier des charges bio, la bio va donner des très bons résultats sur la partie travail avec la nature, sur la partie qualité des produits, un petit peu également sur autonomie et simplement... pas de garantie à côté. La plupart des agriculteurs bio qu'on rencontre ont aussi des bonnes à côté ou parce qu'ils sont dans des démarches, mais la démarche d'AP regarde plus de choses que la bio sur certains points. En particulier sur les aspects politiques, purement politiques, la répartition des volumes, la maîtrise de la production et les aspects transmission. C'est beaucoup plus politique que la bio qui est un mode de production. Alors, moi, je voulais juste par rapport à ça, moi je suis Vincent Jeannot, Terre de Liens, directeur Terre de Liens, et si on a organisé ce printemps d'impact avec la FADEAR et Miramar, et tous les réseaux de l'agriculture paysanne, de l'agriculture bio, de l'agriculture, de l'agroécologie, on ne sait pas comment les appeler en fait, parce qu'à un moment donné, il y a la question du chiffre, tu dis, oui, on sait compter le nombre d'adhérents à la CONF, le nombre d'adhérents à la FADEAR, le nombre de membres à Terre de Liens, mais on ne sait pas combien il y a de paysans qui représente cette démarche, parce que j'aime bien cette notion de démarche où il y a la notion sociale, la notion de répartition des richesses, la notion de bien-être au travail, la notion etc. Et ça, on n'arrive pas à se compter. Et moi, je considère que c'est un des enjeux à venir pour Impact de pouvoir se comptabiliser, parce que c'est la visibilité qui va nous permettre d'avoir une réelle force politique derrière, au bon sens du terme. Et après, j'avais... deux questions, c'est dans les critères, parce que j'ai entendu Raphaël, et moi je me souviens avec Terre de Liens avoir accompagné quelqu'un qui était en Roquefort Bio à côté de Sainte-Afrique et qui a été en filière longue, du coup, avec, alors c'était pas avec Lactalis, c'était avec Papillon, heureusement, mais avec qui on s'est posé la question, forcément dans le CA de Terre de Liens Midi-Pyrénées à l'époque, de savoir si il pouvait bénéficier ou non d'un accompagnement et d'un dossier d'instruction pour. Alors une famille conf, bio, à fond, qui a emmené son lait au début parce qu'il n'y avait pas le ramassage du lait, etc. Est-ce qu'on le prend ou pas? Est-ce que c'est un des critères? Parce qu'un des critères, on le voit bien sur les 150 fermes que Terre de Liens a achetées, c'est beaucoup circuit court, commercialisation, vente directe, enfin, transformation, machin. Et puis, il y a un argument que m'avait fourni ce paysan qui voulait s'installer, et puis le cédant, en disant c'est plus de temps pour les vacances. Et du coup, dans vos critères, est-ce qu'il y a des critères comme ça de contradiction qui apparaissent, je trouve ça intéressant de les souligner par rapport à la vie, à notre vie, la vôtre, la nôtre. Et puis la deuxième question, c'est, là on est dans le cadre du printemps d'Impact, dans Impact, nous à Terre de Liens, on a développé un diagnostic agro-environnemental participatif, il y a Nature et Progrès sur les systèmes de garantie participative par rapport à la bio, et du coup je me dis, à un moment donné dans Impact, on devrait, c'est une demande là du coup, de travailler et comment on peut associer ces différents travaux sur les diagnostics. Alors le vôtre est bien, moi je le connais depuis un petit moment, mais de pouvoir s'associer, d'utiliser le diagnostic agro-environnemental participatif sur les sols, de venir alimenter, mutualiser, voilà, on va dire, de mutualiser ou de se mettre ensemble pour avoir des diagnostics encore plus... Et après j'avais un dernier point, mais qui est plus... c'est par rapport au label, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des discussions, alors j'ai peut-être pas entendu le terme, mais en interne sur le fait de labelliser ou pas, parce que ça pose la question. Oui, je réponds rapidement à la question label. Il y a eu des discussions au mérite
plus important, qui a fait que les gens se sont fâchés, sont partis, enfin, ça a été assez difficile, cette histoire de label et non-label. Voilà, c'était sur l'idée. En revanche, je voulais revenir sur le mot Amat, parce que j'étais une blague provocatrice, etc. Mais non, c'est pas du tout, c'est ce que c'était une blague, quoi, je ne veux pas vexer des gens. Mais c'était plutôt provocateur pour essayer de t'interroger sur le P, parce que souvent on ne parle jamais d'agriculture paysanne dans les Amat, alors qu'il y a le mot AP dedans. Mais c'est tout. C'est pas, je ne dis pas pour tous les Amat, mais beaucoup. Ça va s'améliorer. Juste vite fait, là, justement, sur l'imperfection qu'on peut avoir quand on fait son propre diagnostic et ses choix. Oui, on mesure les deux. On mesure la dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de notre mode de commercialisation et puis de la maîtrise de la vente de notre produit et de quel prix on le vend. Et il y a aussi donc, dans la qualité de vie. Eh bien, c'est combien d'heures de travail on travaille par an, combien de semaines de vacances on prend et tout. Et moi et mon frère, c'est vrai qu'on a fait le choix jusqu'à présent de vendre en filière longue parce que ça nous permet d'avoir un week-end sur deux et de prendre des vacances et d'avoir fini à 19h le soir et d'être chez soi à 19h le soir. Donc peut-être qu'il y en a qui arrivent à tout conjuguer, à tout, voilà, ou alors quand ils vendent sur le marché, ils ont peut-être l'impression d'être en vacances, et ça leur convient, et pourquoi pas aussi, il n'y a aucun inconvénient à ça. Nous, on trouve notre équilibre comme ça, peut-être que ça bougera un jour, surtout si au bout d'un moment, l'industriel avec qui on travaille, on dit, au bout d'un moment, c'est plus possible, bon, bah, voilà, on franchira le pas de faire différemment, mais sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. si je ferais de la route directe, je passerais une fois. Merci à tous et à toutes. On va laisser la place à la musique. Simplement pour dire que d'un point de vue, Impact est là pour qu'on mutualise et on avance.